Ouais, donc maintenant, le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est un sujet qui va bientôt être d'actualité. C'est la kdoucha. Comment on se comporte avec la kdoucha? La kdoucha des fruits, comment on se comporte? Des légumes, on n'a pas de problème de kdoucha dans les légumes. Voilà. C'est pas un légume, ouais. Ça demande, mais c'est pas un légume, ouais. On n'a pas un problème de kdoucha. Ouais. Le Rav, parce qu'ils me disent que non. Mais le Rav Lenson, il est un peu marmire dans ça. Ça dépend de la définition de Tsvirchin, mais Pashtout, il n'y a pas Tsvirchin parce qu'il n'y a pas une crainte qu'on ait planté pendant la Shemitah, parce que c'est un arbre existant qui a besoin d'un certain moment pour donner des fruits. Donc Pashtout, le Rav Apotskim, il disait aucun problème de Tsvirchin dans les bananes. Sur les bananes qu'on a aujourd'hui, c'est d'autres Tsarbedin. Dans Tsarbedin, il n'y a pas de Tsvirchin. Il n'y a pas de Tsvirchin. D'accord? Comment? Qu'est-ce que t'en penses? Les bananes, c'est kadosh Non, De quoi tu parles? Donc kdoucha. Donc toujours quand on se pose la question de la kdoucha, il y a trois types de production. Il y a la production de Khoutz Laretz, Hachette Roule, c'est pas kadosh. Tu as la production de Tser Bedin, c'est kadosh. Et tu as la production de Otsar Beddin, c'est Kadosh. Production de Eter Mechira, ouais. Pour ceux qui sont Mekel, comme Eter Mechira, c'est pas Kadosh. Mais pour ceux qui interdisent Eter Mechira, c'est Kadosh. C'est-à-dire, d'après le Mabit, c'est Kadosh. Même que ça appartient à un Goy. Si on dit que ça appartient à un Goy, ouais, même ce qui appartient à un Goy, Nochi, c'est Marloket. Est-ce que c'est Kadosh ou pas Nochi? Marloket. Le Rav des Rishonim disent que c'est Kadosh. Ouais, le Rav des Rishonim disent que c'est Kadosh. La reine car possède Kachazonish le Firov à Rishonim. Ouais, ce qui est vendu à un Goy. Mais le Bet Yosef, il est Mekel. Il dit que c'est pas Kadosh. Et donc le Rav Ofir Malka, il dit qu'un Sfarad, qui se respecte, il fait comme le Bet Yosef. Et donc il considère que la production du Nohi, c'est pas Kadosh. Donc quand tu achètes Nohi, il y a marqué Yud. Point, Nun. Point. Ouais. Yud point nun point. Ouais. C'est pas que les fruits sont in. Non, c'est que c'est Ivoul Nochi. Et bien ça, d'après les Sfaradim, ouais, qui suivent le Bet Yosef, donc, eh bien, tu peux faire du jus de pastèque si tu veux, c'est pas un problème. Il n'y a pas une doucha de cette production, il n'y a pas de sphérim non plus dans Nochi. Ouais. C'est à eux, c'est à eux, vraiment, c'est à eux. Central Oued, Central Oued. C'est à eux vraiment. Ouais, plein. Mais c'est tout un traloued l'histoire des datilomis qui veulent préférer acheter Eter Mechura que Nohri. Parce que pendant les 6 ans, on achète aux Arabes. Il y a certains légumes pas chers qu'on achète que aux Arabes. Que les Juifs, ils font même pas ce type de production, ça vaut pas le coup. Les Juifs, souvent, ils font les fruits. Ouais. Bien sûr, pendant tous les 7 ans, on mange. Donc, Non, par rapport à Ezra, la conquête de Ezra. Et là, tu n'as pas de doucha juive. Et quand on va aller là, on est sorti d'Eretz Israël. C'est à Hébron des rapides utiles, c'est qu'on sait que c'est alors après ça pique. Bah oui, on ramène plein de légumes, des shtachim. Et c'est Yvoul Nochi, et d'après le Chazonish, c'est Kadosh. D'accord? Non, 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 non. C'était Eretz Plishtim avant. Même à l'époque de Yoshua, ils ne l'ont pas conquis. Non, c'est Eretz Plishtim. Ah, ça, c'est pas Eretz Israël. Bah, j'ai pas tué le sujet Beyoun, comme ça, j'ai survolé le sujet, donc ne me prenez pas au mot. Ouais. Comment? Je sais pas, on l'a pas conquis quoi. Pourquoi? Parce que peut-être c'était pas une région qui était intéressante. Hein. Pas intéressant. Hein. Le nord est plus intéressant que le sud. Hein. Il vivait de l'agriculture quand même. Le désert du Negev, parce que là-bas dans le désert, bon, la limite c'était Jérusalem où il y avait de la vie. Et puis après, c'était Midbar quoi. Midbar Yehuda, le Negev. C'était les Bédouins là-bas, mais nous on est plutôt dans les zones cultivades.
Mais il y avait, c'est une partie des restes d'Israël, il y avait des tribus qui étaient là-bas. Hein. Il faut voir comment ils vivaient, il faut voir ce qu'il y avait du commerce, du truc. Très très bien. En tout cas, Bekitsu, fin de parenthèse. Donc quand c'est Termechira, alors c'est quoi le statut de Termechira? Ouais. Alors ça le dit de Noé, Termechira. Donc d'après Razonich, c'est Kadosh. D'après le Beit Yosef, c'est peut-être pas Kadosh. Pourquoi c'est peut-être pas Kadosh? Parce que si on dit que la Termechira, il marche, alors c'était vendu au Goy, elle marche la Mechira. Donc c'est pas Kadosh. Mais si on dit que ça marche pas, comme le Razonich et le Ravenson, ça marche pas parce que Enchalia Khidvar Avera. Donc ça reste aux Juifs. Donc c'est Kadosh. Donc tu as un autre problème quand tu manges chez les gens, ouais, et que c'est Termechira. Tu dis, ah chérie, tu peux me faire un jus de pastèque? Là, ouais, attends, j'ai un truc à faire. Pastèque, ça suffirait mal. Oui, mais ils vendent dans les Termechira les pastèques. Parce que c'est pas suffirait, parce qu'ils disent c'est au goy. Mais si tu continues. Donc, mais on a dit que Chatatra qu'on va manger chez les parents, même les pastèques, d'accord? Bah ben, oui, c'est ça, sinon c'est pas Chatatra, c'est moutarde après la donnée, je l'ai rappris là. Même les légumes, c'est Chatatra, on s'appuie sur ceux qui permettent les Termechira, donc c'est pas suffirait. C'est Chatatra. On ne s'appuie pas sur eux, ils interdisent. C'est pas s'appuyer sur eux. Donc on s'appuie sur Aude Yosef, Chatatrak. On n'a pas le choix. Ouais. Aïmoutar les Khmir. Moi, je suis marmir dans les Termechira. Quand on m'avait la famille, elle m'invite. Bon, Khachem, ce n'est pas mes parents et mes beaux-parents. Mais Ensimcha et Termechira, je ne mange pas, c'est tout. Ce n'est pas Chatatrak de ne pas manger. De ne pas manger Ensimcha, ce n'est pas Chatatrak, ouais. Quoi? Ouais. Ça m'est déjà arrivé de manger du pain. Moi? Ouais. Bah, c'est, pour moi, la cache-croûte, c'est important, c'est tout. Et d'après ce que j'étudie dans l'état Mechira, je ne comprends pas le éther. Donc, c'est, pour moi, il n'existe pas. Quoi. Après, il y a un mais je ne comprends pas ceux qui permettent, donc il n'existe pas. Si tout le monde permettait, je ne comprends pas, je m'annule. Mais si la majorité interdit et la minorité qui va, je ne comprends pas, ça n'existe. Pour moi, le éther n'existe pas, même pas de Meshatatrak. Je n'ai pas compris. Vous vous rappelez, ma grande question, c'est que il a été permis dans un contexte particulier qui n'existe plus. C'est Marianne qui continue d'être d'actualité. Si tu achètes Parabanout, tu n'as pas de question. Si tu achètes Badat, Sravlando, Sherit Israël, Rubin, Agudat Israël, ouais, mais ils ne te vendront jamais du Eter Mechira. Tous les Hercherim sérieux, il n'y en a pas un qui vend. Même Beth Yosef, il y aura des ils ne vont pas Eter Mechira. Rav Marcou, tous les Hercherim que tu as l'habitude d'acheter toute l'année, des Hercherim sérieux, ils ne vendent pas Eter Mechira. Ah, tu ne regardes pas la cache-croûte? D'où tu sais qu'il n'y a pas de problème? D'après chaque troumot de Masrod, par exemple? Ah, tu prélèves, je comprends. Tu achètes les boîtes de maïs de Rabbanut et tu refais le prélèvement. Il y a un problème de troumot de Masrod. Moi, j'avais un copain à la Yeshiva. Son père était Majgar de la Rabbanut. Ouais. Et il le força à prélever moins que le chou parce que c'était Baltacherie. Ça m'a raconté mon copain à la Yeshiva. C'est moi et son père. Si j'achète Rabbanout, ça m'arrive, mais je prélève trop de Maasrot. Bâtard. Tu ne trouves pas une seule, à Bnebrak, tu ne trouves pas une seule boîte de conserve Rabbanout à Bnebrak. Parce qu'ils ne vont pas acheter, les gens. Pas une seule. L'otim sab et choumpina. Ça dépend, t'achètes. Si t'achètes à Osherad, alors il n'y a pas de problème. Hein. Il y a beaucoup de badats. Hein. Moi, je me suis promené un peu dans les Tsimérim, un peu dans le pays. Les trucs, la Mévorar, Primévorar et tout, on a dans tout le pays. Quoi, hein. Donc, il y en a, quoi, ça manque pas. En plus, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de bichoulakoum dans le maïs. C'est cuit le maïs que tu achètes, ouais. Enfin, c'est pas un problème de bichoulakoum. Alors, Benoît, elle n'est pas makpida sur bichoulakoum. C'est quoi, elle n'est pas makpida? C'est-à-dire, ils ont des coulottes de bichoulakoum comme le Rama. Nous, les Sfaradim, on n'a pas. Et les Yercherim qui sont les Madrines, ils ne font pas comme le Rama, ils font comme le Shukhanar. Ils sont marqués toutes les chitotes. Et quand tu as un truc qui est fait bichoulakoum d'après le Rama, pour un Sfarad, ça sourd minadine. Tu ne peux pas manger, ça sourd minadine. Ça sourd les rôles. C'est sérieux, bichoulakoum. Le mec qui va dans la pizzeria. Rabbanout, c'est assourd de manger, mais ça biche ou la coum. D'allumer le four, ça ne marche pas d'après le Shulchan Aruch. L'arabe qui enfourne dans la pizza, c'est assourd minadine pour un sfarad de manger.
C'est pas une chumra, ça, j'en mets la dîme. En France, on met des meilleurs. Comment? En France, on met des meilleurs. En France, on met des sommaires. C'était Bedin. La pizzeria de Rav Rotenberg, c'était un rabat qu'ils mettaient dans le four. Je me rappelle. Bedin, ils sont mais Bedin, c'est comme Rabanoud. Ils ont essayé de donner un système de cacheroute pour que les gens puissent manger et permet aux restaurateurs de proposer une gamme de produits beaucoup plus vaste, donc de faire toutes les coulottes possibles pour entrer du surimi, du foie gras, du je sais pas quoi, tous les trucs sur lesquels peut-être tu aurais des problèmes. Surimi, je sais pas si c'est un problème, mais peut-être un catalyste maritain, un éloder. En tout cas, le foie gras, c'est pas évident. T'as que Rabanoud qui fait ça. Ouais, difficile de trouver Madrid. Donc le resto, il dit, attends, mais moi, je ne sais pas, même des goyim qui viennent manger dans mon restaurant. Ouais, j'ai besoin d'avoir une gamme de produits. Alors il y a la Rabanoud qui dit, voilà, il y en a qui permettent, donc on te permet. Mais ce n'est pas d'après les Sfaradim. Vadaï que c'était Bichoulakoum dans Beddin. À moins que c'est un petit boui-boui, que c'est un juif qui s'occupe de tout. Bah là, ouais. Non, patakoum, c'est moutard. Non, patakoum, si c'est du pain. Du pain, patakoum, c'est moutard. S'il n'y a pas de problème d'ingrédient, bien sûr. Problématique de graisse, je ne sais pas quoi. Patakoum, c'est moutard. Naagou, la tire. Ah, ça, mais tu vois, on est marmir. Je ne suis pas dans la cache-route. Ah, de quoi? De Maïtirou. Revenons à notre sujet de Shemitah. Donc, on dit, donc, Eter Mechira, pour ceux qui sont sommaires, il n'y a pas de Gdoucha. Parce que, d'après le Beth Yosef, parce que ceux qui sont sommaires, c'est plus facile pour les Sfaradim. D'ailleurs, le Rav Kook qui disait quand il était sommaire, il dit c'est plus facile pour les Sfaradim, parce qu'il n'y a pas de Gdoucha pour eux, mais pour les Ashkazim, c'est une marloquette. Ouais, c'est une Gdoucha et tout, ça complique un peu les histoires. Donc, maintenant, rentrons dans le détail un peu du problème de. De... Comment? Ou de donner au chien, je sais pas. Il y a un problème, on va voir là, tu es en train de poser une question, en vérité, qui est un sujet qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça entraîne que Sendoucha? Ta question. Et c'est ce qu'on va développer maintenant. Qu'est-ce que ça entraîne? Pour l'instant, on a fait une différence entre différents types de produits pour savoir sur quoi maintenant on doit focaliser. Attention, il y a une doucha, fais gaffe. Otsar Beddin, il n'y a pas de question. Etzer Mechira, c'est une marloquette. Ivoul Nochi, c'est une marloquette. Mais on est possèque. Les Sfaradim comme le BTSF. Donc tout ce qui reste comme problème, c'est essentiellement Otsar Beddin et Eter Mechira, si on n'est pas sommaire sur Eter Mechira, dans les fruits. D'accord? Donc c'est sur ça on focalise. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire sur des fruits qui sont kadosh? C'est la question. Otsar Beddin, ou bien des fruits que tu ramasses dans le champ, quoi. Il y a des fruits que tu vas ramasser pendant la Shemitah. On va descendre dans les champs. Ça sera kadosh, par exemple. Alors, on est peut-être moins confronté à ce type de cas. Alors, nous, ce qu'on est confronté, c'est Otsar Beddin. Tu as acheté du vin d'Otsar Beddin. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire avec? Oui, on continue ou pas? Alors là, déjà, il t'explique au début à partir de quand les fruits sont kadosh. À partir de quand les fruits sont kadosh de juillet? Ouais, à partir de quand? Alors, c'est ce qu'on appelle la chanata. Chanata. Tranata, il y a une marloquette trichonime entre le Rambam, Tosfot et le Rash. D'un côté, le Rambam, il dit c'est onatamasrot, c'est le tiers de la taille définitive du fruit. Si le fruit, il est comme ça, normalement, alors quand il arrive comme ça, c'est le tiers. Déjà, c'est le début du fruit. Donc, on regarde à quel moment ça se passe. Si maintenant, il a déjà le tiers de sa taille, juste avant Rosh Hashanah, de la Shemitah, même que tu vas le cueillir pendant la Shemitah et qu'il va arriver à maturer pendant la Shemitah, il n'est pas kadosh. Il n'est pas kadosh. Ouais. Parce qu'il y a une particularité dans la Shemitah, c'est bien que par rapport au Maasrot des fruits, on va d'après tout Bishvat. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après tout Bishvat? Les fruits, c'est tout Bishvat. Raga, il a notre... Ouais. Tout bijouette les fruits. C'est-à-dire que maintenant, tu as Maaser Sheni et Maaser Ani qui va dépendre de l'année. Ouais. Quand est-ce que le passage de l'année entre la première, ouais, entre la deuxième année qui est Maaser Sheni et la troisième année qui est Maaser Ani, quand est-ce qu'on regarde, c'est le fruit, il est arrivé à Shlish de sa taille avant tout bijouette ou après tout bijouette? Ça, c'est ce qui est déterminant pour les Maasrot. Pour la Shemitah, c'est Rosh Hashanah. Pour la Shemitah, c'est Rosh Hashanah. D'accord?
Donc on regarde le fruit, est-ce qu'il était à la tiers, le tiers de sa taille déjà avant Rosh Hashanah. S'il était à la tiers de sa taille avant Rosh Hashanah, on s'en fiche, il restera un fruit moutard, il n'y a aucune doucha. D'accord ? Maintenant, il y a une marloquette, c'est le Rambam. Il y a une marloquette, le Rash Mishans et le Tosfot. Il dit non. Ce qui est déterminant dans le fruit, ce n'est pas Shlish. La Hanata pour Tosfot, ce n'est pas Shlish, la Hanata. Pour lui, la Hanata, c'est le moment où les fleurs, elles tombent du fruit et tu as juste la bulbe. Donc, ce n'est pas le Shlish, ouais. Ça ressemble à, ça commence à être le début du fruit parce qu'il n'y a plus de pétales et il reste la bulbe uniquement. Il n'a pas encore grossi. Ça, c'est la Hanata, donc c'est beaucoup plus tôt. Donc, à la Halema, on est marmire comme les deux. D'accord ? On est marmire comme les deux. Si maintenant, on n'est pas arrivé à Shlish, si maintenant, on a, y avait déjà, parce que y a la question avant la Shmita et après la Shmita. Alors maintenant, on est pendant la Shmita. Hein, et un fruit, les pétales, elles vont tomber avant Rosh Hashanah. C'est ça, les pétales, elles vont tomber avant Rosh Hashanah de l'année prochaine. Alors, d'après Tosfot, elles sont kadosh. Parce que tu as donc la Hanata qui s'est faite pendant la Shemitah. Ah, mais le Shlish, il est après Rosh Hashanah. C'est déjà plus la Shemitah. On est marmire comme les deux Shitot. D'accord ? Maintenant, ici, tu me demandes. Tu notes rien, Benjamin ? Quelle est ta maison ? Et le cerveau, il est où ? Alors, essaie d'adopter une position corporelle qui me laisse croire que le cerveau est là. Ah, t'as juste froid ? Bien. Ouais, ouais. Le cerveau, il a disparu. Il n'a pas disparu, il n'a jamais été. C'est bien que j'ai vu aucune régression en toi. Ah non ? Non. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Avant, après. Comme, après, Hanata. Avant la création du monde, pendant, au moment où il a créé, et après. C'est bien, c'est bon signe ça. C'est comme Chava au niveau côtelette. Donc on reprend. T'es clair, Benjamin ? Hanata, c'est quoi ? Hanata, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on voit la Shlish ? C'est quoi Hanata ? Qu'est-ce qu'on regarde, Hanata ? C'est le Shlish du Marloquette. Marloquette, le Rambam, il dit. C'est le kayak et la maison. Voilà. À partir de quand c'est Shlish, ce moment-là, pouf, on regarde quelle année on est quand ça arrive Shlish. Voilà. Et Tosfot, c'est la dépétalisation. Voilà. Très bien. Alors maintenant, le problème, c'est que j'ai dans un arbre. Pitom, j'ai dans un arbre, j'ai un arbre de Rimon, j'ai un fruit qui est arrivé à Shlish, par exemple. Les autres, non. Juste avant la Shmita, j'ai un fruit qui arrive à Shlish. Les autres, non, il n'y a qu'un fruit. Non, n'en dis pas, mes camarades, en erreur. Je donnais la vraie réponse avant de vous proposer la fausse. Oui, bah c'est mets-le dans la liste des gens que tu sais ce que je pense. Donc, quand il y a un fruit, il y a une couleur extraordinaire. Il y a un fruit dans l'arbre. Alors, dans l'arbre, il y a quatre points cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'ouest et l'ouest. D'accord ? Si au nord, il y a un fruit qui est arrivé à Shlish, tout ce tsad-là, il ne sera pas kadosh vite. Uniquement ce tsad-là. Wow. On va d'après le tsad de l'arbre. C'est un truc marrant. Hein, bon, je vous rassure, en général, ce n'est pas des périodes en Israël tellement où il y a une différence d'un côté à l'autre. Ouais, en général, ça se passe bien avant, bien après. Ouais. Maintenant, alakha lemaase. Rav, quand est-ce que je dois faire attention aux fruits, Rav ? Moi qui achète Rabbanout et que je n'ai pas envie d'acheter des fruits qui a eu le Issour Srora, c'est Kadosh Bejvid, il y a Issour Srora. Ouais, alors, c'est pas Rabbanout. Moi, cachette au shoot, même pas Rabbanout. Quand est-ce que je peux, jusqu'à quand je peux acheter des fruits les yeux fermés ? Ouais ? En faisant, monsieur, trouve-moi ma srot, j'achète au shoot. Ouais ? Les yeux fermés, mais d'abord la bouche fermée avant de mourir. Ouais ? Et alors, je sais que tu saches que la majorité des fruits, cette année, ne rencontreront le problème de Kdusha du 8 qu'en kites, ouais, en été, c'est-à-dire vers après Pessah, vers Shavuot, c'est là où les fruits vont commencer, ouais, à avoir leur... qu'ils ont eu le temps d'avoir Shlish maintenant, ouais, et qu'ils sont arrivés à maturité dans l'année. Vous me suivez ou pas ?
d'autres, ils ont eu chiche avant. C'est quoi les autres? Les autres fruits? Ah oui, oui, oui. Ça. Les fruits qui vont avoir chiche cette année-là, ouais, on les aura à maturité en été. Les fruits qu'on appelle d'été, les fruits de saison, ouais, estivaux. Estivaux, ouais. Et maintenant, mais il y a deux exceptions à la règle. Trois. Il y a les nèfles. Ouais, mais moi je te le fais. Je te le fais, moi. Ouais, il y a les nèfles. Je te fais approximativement. Avant l'été, t'es tranquille, sauf pour les nèfles. Comment on dit nèfle en ivrite, Benjamin, t'as oublié ton cahier? Voilà. Je ne sais pas ce que c'est une nèfle. Parce que c'est bon, alors. Nous les Algériens mangeaient des nèfles, nous les Algériens. Mais c'est quoi? Tu sais même pas c'est quoi les nèfles? Les avocats, c'est comme ça. T'as pas toi? Ah ouais? T'as une allergie aux nèfles? Ah ouais? C'est marrant ça. Ah c'est marrant. Ah moi le melon ça me pique. Ouais, le melon ça me pique. Ouais. Bon Benvir aussi le melon ça me pique. Ouais. Benvir le melon. Les melons sont une expression pour nos cousins. Et on reprend. Donc le chesek, c'est le néflier, le nèfle. Ouais. Lui, il dit, le Rav Ophir, que déjà à partir de Shvat, c'est bientôt, Shvat. Ouais. Déjà, tu ne pourras plus acheter les néfliers tranquillos dans le chouk. Les nèfles, t'entends, Jérémy? À partir de Shvat. Ils arrivent vite à maturité, les chesek. C'est très rapide, les chesek. Et puis, ça pousse très facile. Hein. Moi, dans l'ancien appartement où j'étais, j'avais un chesekier. Ouais. Ouais. Mais c'était rempli de fruits. C'est un truc, c'est une bracha ce chesek. Dans le kablan, je me rappelle, il était monté dans l'arbre pour en manger, il était tombé malade. Et il a fini tout l'arbre. Et il y a sinon les pêches et les nectarines. C'est assez proche comme fruit. Les pêches et les nectarines. Tu connais les nectarines? Ouais, c'est bon ça. Et les pêches. Les brugnons, ils disent les gens. Oui. Alors, ça commence en hadar. Ouais. C'est les plus tôt. Ouais. Les pêchiers et les nectariniers, c'est les plus tôt. D'accord? Donc, avant Adar, ouais, à part les néfliers, t'es tranquillos. D'accord? Ouais, Nahon. Alors, il n'a pas mis dans la liste des amandes. C'est le premier arbre qui est en fleur. Maintenant, quand est-ce qu'ils sont arrivés à tirer? Je ne sais pas. Anilodeur. Anilodeur. C'est une bonne question. Il n'a pas parlé des amandes. Et de toute façon, on va voir dans les calendriers que les différentes cacheruotes proposent, que Jérémy est en train de faire. Trouve plus. Alors, tu nous feras tout ça, tu nous l'imprimeras en papier glacé couleur. Donc, ça, c'était donc une petite introduction sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans les fruits, à partir de quelle date le problème se pose. C'était sympa? On continue. Et dans les légumes, c'est quand le moment qui vient déterminer la gloucha? Hein? Oui, mais c'est à quel moment chliche, les pétales, dans les légumes? Hein, ben justement, quand est-ce que j'ai un problème de sphérine? Donc c'est pas cadeau, j'ai pas un problème de sphérine. Je pense que c'est les fruits, les céréales. Mais non, je te parle des légumes. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le chliche à Rochechina? Dès qu'on a planté, c'est fini. Dès qu'on a planté, c'est fini. Si maintenant il est arrivé à maturité avant Rochechina et je plante après Rochechina, c'est cadeau ou pas? Il est arrivé à maturité avant Rosh Hashanah et je le cueille après Rosh Hashanah. Alakha le marasé. Alakha le marasé. On le coupe, je crois. Quand on le cueille. On coupe pas les légumes. L'équita s'appelle. L'équita. Batar l'équita. L'équita, on va d'après le Rambam, la Khumra. Dès que tu viens, peu importe l'évolution avant Rosh Hashanah du légume, on s'en fiche. On va d'après la Lekita. C'est clair ou pas? Donc il y a un problème pour les trogs. La Gemara, il y a une marloquette dans la Gemara de Rosh Hashanah. Il y a une marloquette dans la Gemara de Rosh Hashanah
sur les trogs. Est-ce qu'il a un statut de fruit ou de légumes? Pourquoi il aurait un statut de légumes, les trogs, Jérémie? Légumes, les trogs. Alors, l'opinion qui dit qu'il a un statut de légumes, les trogs, et qu'on va d'abattre l'équita, c'est parce que au Godel, Alrov, Maïm. Une des grandes différences entre les fruits et les légumes, Jérémie, c'est que les fruits, ils ont un tronc. Et donc, le tronc, ça donne de la sève, et ils ont beaucoup, besoin de beaucoup moins d'eau que les légumes. Les légumes, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Les légumes, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils n'ont pas de tronc. Donc, tu dois faire vivre le grain. Alors que le fruit, il vit de l'arbre. Et l'arbre, il a une certaine autonomie. Il a des racines. Il collecte une certaine humidité. Ouais. Donc là, il a besoin de beaucoup moins d'eau. C'est une bracha, l'arbre. On fait une bracha différente pour Eperetz. Déjà, chaque année, ça donne des fruits. Ça ne demande pas un travail de Harisha et de Zria, mais en plus, il a besoin de beaucoup moins d'être irrigué, l'arbre. D'ailleurs, on voit plein d'arbres éparpillés à droite à gauche, avec des fruits très, très beaux, et on n'a pas besoin de les arroser. Ce qui est impossible pour des légumes. Impossible pour des légumes si on n'arrose pas. Impossible. Ou de la pluie. Ouais. Impossible. Tu peux trouver dans le désert un oasis avec des arbres fruitiers, mais pas avec des légumes. Impossible. Bon, c'est un oasis. Non. Et donc, le étrog, comme maintenant, il a la particularité du légume d'avoir besoin de beaucoup d'eau, alors il peut, son moment déterminant, il peut également être au moment de la lekita. Donc, il y a une marloquette au sujet du étrog. Il y a une marloquette au sujet du étrog. Ouais. Donc, on est marmir. Mais non, pas sphérite, c'est pas sphérite. On a dit sphérite, même les bananes, c'est pas sphérite. À quel moment on détermine la gdusha du étrog? Il y a le shlish du étrog, il y a le shlish du étrog qui était avant Rosh Hashanah maintenant. Mais là, par exemple, question très simple. Cette année à Rosh Hashanah, ouais, cette année, on a eu des étrogim. Ceux qui ont été cueillis après Rosh Hashanah pour être tout frais pour Sukkot, est-ce qu'ils sont kadosh? Question très simple. Marche, ok. Si on va d'après la définition des fruits, bah, c'est sûr que le chiffre du fruit, il était avant Rosh Hashanah. Donc, il n'est pas kadosh. Mais si on va d'après la Lekita, il est kadosh. Donc, il est trop guim. Je ne sais pas. Avant de vous dire la Svara, que ce n'est pas écrit dans le livre et que moi, je vais vous dire malgré tout, lui, il n'a pas dit la Svara, il a dit la Lacha. Déjà, que vous compreniez bien la Lacha. Pour les trogs, il a une marloquette et on est possède la Chumra comme les deux opinions. On va, et d'après la définition du fruit, et d'après la définition du légume, par rapport au moment où on le cueille, ouais, ou par rapport au moment où il est arrivé au tiers de sa taille. Donc, par exemple, un étrog qui est arrivé au tiers de sa taille l'année, là, en fin d'année, et que je le cueille après Rosh Hashanah, c'est une marloquette, est-ce qu'il est kadosh? Ouais, aussi. Le étrog qui est kadosh d'après tout le monde, c'est celui qui est arrivé au tiers de sa taille cette année et que j'ai cueilli cette année. Là, on a les deux paramètres. C'est clair? Alors, c'est quoi la différence entre les fruits et les légumes? Alors, c'est un sujet que je vous ai déjà expliqué à Toubishvat chaque année. C'est à Toubishvat. Parce qu'au moment où David il insistait qu'on fasse un sujet de Toubishvat, à Toubishvat, j'ai arrêté de faire le sujet de Toubishvat à Toubishvat. Mais avant, je le faisais chaque année. C'est que. Non, c'est que le fruit il vit grâce à l'arbre et pas grâce à l'eau. Ouais, donc c'est à dire l'arbre lui il reçoit l'eau. L'arbre normalement il reçoit l'eau, ouais, qui va se transformer en sève. Ouais, donc la nouvelle année c'est Rosh Hashanah, dit l'oral, même pour les fruits, pour les légumes, c'est la nouvelle année. Ah oui, pourquoi on voit tout bien? Parce que la pluie qui va tomber à partir de Rosh Hashanah, ouais, va apporter de la vie aux fruits à tout bichvat. Il y a un décalage. Ça passe dans la sève et ça passe dans la branche. Il y a un décalage. Un décalage. Ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, et il vit essentiellement de la sève. Alors que les agrumes, ils vivent mâche tellement de l'eau que c'est peut-être un contact direct. C'est comme si on les arrosait directement en faisant. Et Bémet, on voit ça, Bémet. Il m'a dit Israël, mon chauffeur, que les citrons, là, des fois, il me ramène des citrons et tout qu'il cueille à Gagnavenay chez ses amis. Quand tu as une pluie, ouais, de citrons, tu as quoi? 2-3 semaines après, ils ont changé de tronche, les citrons. C'est assez rapide, quoi.
les agrumes. C'est assez rapide, quoi. Ça dépend beaucoup de l'eau, quoi, les agrumes. Comme les légumes, quoi. Les légumes, ils fanent, et puis il y a une pluie, il reprend vite. Les agrumes, c'est assez spécial. D'ailleurs, là, les citrons, il en a cueilli quelques-uns, ils m'ont dit qu'ils sont catastrophiques. Quand il n'y a pas la pluie, ils sont catastrophiques. Hein? Par contre, les trucs, ouais, ils sont catastrophiques. Longtemps. Il y a vraiment une HPA directe de la pluie dans ces fruits-là, c'est assez marrant. Comment tu dis, Julien? Ouais, je sais pas, ça devrait être dans tous les agrumes en vérité. Mais la Gemara, elle, ça fait que dans les trogues, elle n'a pas parlé des agrumes. Ouais. C'est une question qui est dans la Maseret Rosh Hashanah, je ne sais plus si c'est dans les postes qui me parlent de ça, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, à la Halema, on a retenu Etrog, pas agrumes. Ouais. Je crois que Etrog, c'est encore pire que les autres. Anéloder. Anéloder, c'est quoi la particularité d'Etrog? Bekitsour. Maintenant qu'on a déterminé la date, avec les différents klalim de fruits et légumes, voyons voir maintenant, c'est Kadosh, l'école à Chitot, où ça fait que l'on met chez les Kadosh, ma assurli la sot imze. D'abord, Efsed, il est marqué dans le Pasuk, Vaïta Shabbat Aretz Lachem Leochla. On est d'oresh Lachem, on est d'oresh Leochla. Du mot Leochla, on est d'oresh un certain nombre de choses. Que la terre, elle doit se reposer pour vous, pour manger. C'est quoi Leochla? Vélo l'Efsed, il faut manger et pas détériorer. On n'a pas le droit de détériorer. Également, on n'a pas le droit de commercialiser. Manger, oui, mais commercialiser. Le fruit, il est fait, on voit le fruit dans sa réalité biologique et non pas dans sa réalité économique. Ouais. Pour un grand agriculteur, le fruit, il ne voit pas ça comme de la nourriture, il voit comme étant des lingots d'or. Ouais. Ce n'est pas la nourriture pour lui. D'accord ? Ce n'est pas la nourriture. C'est un moyen, il peut vendre des vaches, il peut vendre des fruits, il peut vendre des vêtements. C'est un moyen de rémunération. Et comme a marqué Léor là, ça doit être fait pour être mangé. Donc, tu as parlé de commercialiser. Dès que tu commercialises un fruit, tu lui enlèves son statut aliment. Tu en fais un bien de commercialisation. D'accord ? C'est clair ou pas ? Oui. Et c'est très grave, il dit le Rav Ophir, de commercialiser, parce que sur ça, Chachamim, ils ont été très violents. Ils ont dit que ceux qui commercialisent les fruits de la Shemitah, ils ne verront pas de bracha l'érolam. Il y a une punition divine sur eux. Et même s'ils arrivent à s'en sortir, ils ne pourront pas hériter leurs biens à leurs enfants. Et s'ils ont réussi à hériter leurs enfants, pas leurs petits-enfants. Il y a une vraie clala pour les gens qui commercialisent les fruits de la Shemitah, les pauvres. Que Dieu leur pardonne. Ils ne rentrent pas dans ça. Ouais, il ne parle pas dans ça. Il ne rentre pas dans ce détail. Il y a un autre limout qu'on apprend du Passou qui est marqué Lachem. Lachem velo l'égoïm. On ne peut pas maintenant donner un fruit à un goy. Un fruit qui est cadeau, je vais déjà vite, pas donner un goy. Et l'histoire du RDSF très connue, avec les bijoux, vous connaissez l'histoire. Non, elle est tellement connue, j'ai honte. Pas pour moi, pour vous, je vais vous la raconter. Ah, vous avez enregistré. Oui. Ouais, dès qu'il y a une histoire, c'est important. Oui, ouais, c'est un rendez-vous. L'histoire est enregistrée. Alors, l'histoire est comme ça, l'histoire. C'est qu'il y avait la femme de Rav Desef, Marguerite Talia Shalom, qui avait une femme de ménage et qu'elle irait polonaise ou autre. Et elle allait repartir chez elle, tout ça. Alors, voilà. Elle lui a fait un petit paquet pour témoigner sa reconnaissance des années de travail chez elle, de fruits comme ça. Et le Rav, il arrive à la maison, il lui raconte, ah, elle est partie à Fernanda, et j'ai donné des oranges. Comment ça donner des oranges? Là, les oranges qui étaient sur la table, mais son cadeau, je vais de chaque vite. La sourde de Naïn Goya. Alors, elle a couru après. Elle a couru de toutes ses forces, parce que c'est la sourde, à la fin de c'était une syndicat. Ouais. Et elle allait prendre le bus, elle la voit au moment où elle est montée dans le bus, elle s'arrête, elle est devenue toute pâle. La femme de ménage, elle dit non, ne dis rien. Elle lui avait volé tous ses bijoux. Elle lui a rendu ses bijoux. Ouais, dans la mission des fêtes, j'étais en train de courir parce qu'elle n'a pas voulu transgresser le issour des rabananes sur un issour des rabananes, ouais, de Donen Goya. Du coup, elle a rendu tous ses bijoux, mais elle n'a pas lâché le morceau. Elle a dit oui, d'accord, mais rends-moi aussi les oranges. Comme ça, le Rav Elbaz a raconté à son gendre. C'est qui son gendre?
Comme ça, le Rav Elbaz a raconté à son gendre. Ah, d'accord, c'est vraiment le truc le moins probable possible. Ouais. Le Rav Ophir Malka. Il a entendu ça de la bouche de son beau-père. C'était un proche de Rav Ovadia, qui a entendu ça de Rav Ovadia. Donc de là, une petite illustration qu'on n'aide pas au goy. Oui, mais Rav, moi j'ai une Philippine à la maison. D'accord. Et tout ça parce que il y a quelqu'un qui est malade, allez nous, et on a une vedette zar à la maison, elle mange avec nous. Là, il y a un plateau de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On met un couteau de cuisine à côté et on menace, on coupe un doigt si elle se rapproche. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas donné au goy. Non. Si tu invites un goy à manger à la maison, il peut manger des fruits de. Il peut manger. Il s'appelle Samour al-Shulchanra. Ce qui est à ta table, tu peux proposer à ta table des choses de son kadosh de bouchage vide, même qu'il y a un goy qui mange, c'est ta table. Il mange de ta table. Le problème, c'est de donner à lui. Qu'il en fasse. Qu'il le prenne ce fruit. Tu n'as pas à lui donner. Et si maintenant tu dis, ben non, voilà, normalement, je te paye 5 000 shekels par mois. Hein. Mais comme tu manges avec nous les fruits, je te donne 4 500, ça ne t'a pas le droit non plus. C'est-à-dire c'est de la sroa. C'est-à-dire que tu viens maintenant le rémunérer par des fruits de Gdusha de Juit. C'est clair? C'est clair. Mais il est où ton cahier? Ah oui. On ne participe plus, on ne paye plus chez nous le jardinage. On a dit que cette partie-là qu'on donnait de l'argent pour le jardinage à la VAT, il va le donner à quelqu'un d'autre qui travaille. C'est bien dur. Écoutez, deuxième chapitre. Oui, bien sûr. Les fruits, non. Mais de quoi vivaient les gens? Non, du blé. Bah oui. Le problème, c'est le blé. Et on a vu que dans Rashi, que Tivati et Birkati, c'est dans le blé, d'accord. Que dans le blé. C'était ça le problème, c'est le blé. De manger des pommes, des trucs, on ne vit pas de ça. Non, mais les fruits, c'est un plus, les fruits. Ce n'est pas de la nourriture, des fruits. On crève de faim si on mange des fruits. On a besoin de blé. Hein. Les gens qui bossaient dur et tout, t'as besoin de manger quelque chose de. Le blé, c'est la seule chose qui nous permet de nous nourrir. Quoi. Le riz, c'était Sphirine, donc on n'a rien gagné. Ouais. Même que ça existait, Sphirine. Et que le blé. Quoi. Et le blé, on ne pouvait pas. Mais par contre, tes fruits qui sont dans ton jardin, il faut que tu marques que les gens ils peuvent rentrer se servir. Alors, quand ils viennent se rentrer pour ça dans les fruits de ces barbecues, il ne faut pas qu'ils prennent un petit merguez au passage. Ouais. Comment? Quoi? Quoi? Ben, c'est FKR. Si maintenant la porte elle est fermée et que tu laisses personne entrer, il y a un problème, c'est pas FKR. Il y a un problème. Comment tu fais? Alors, peut-être tu vas les cueillir, tu les mets devant la porte, le méchané. D'accord, alors tu cueilles les fruits, tu les offres. On verra, c'est un sujet. On verra comment faire avec les fruits de mon jardin. Ouais, c'est pas facile, Julien. Tu réponds pas au téléphone et tout. Des fois, on a un manque de mangue et rien à faire. On peut saliver devant ta porte. Rien à faire. Dès que les fruits sont arrivés à maturité chez Julien, qu'est-ce que tu dis? Moi, ça marche, ça marche. Il y a un mec, il a fait ça. Il y a un mec, il a fait ça et tout, toute sa vie et tout. Après 120 ans, il est arrivé là-haut et tout. Le gars disait, ouais, mais dans les heures où t'es mort, il est fermé, reviens demain, mais trop tard. Ouais. Faut faire gaffe, faut pas trop jouer avec ces choses-là. On verra. Qu'est-ce qu'on fait avec notre jardin pour le FKR? Moi aussi, comment on rend FKR le jardin? C'est un sujet qu'on verra plus loin. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler comment on rend FKR son terrain. On est en train de parler les fruits, Kadosh, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, donc, on a parlé du goy, on a parlé de ne pas les abîmer, on a parlé de ne pas les commercialiser. Maintenant, je n'ai pas le droit de les abîmer. Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'appelle les abîmer? Si, par exemple, je prends de l'huile d'olive, kadosh, et j'allume avec ça mes nérodes de Shabbat, j'ai le droit? Hein? Ça s'appelle les abîmer? L'huile d'olive. Pour allumer mes nérodes de Shabbat. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui, c'est bien. Je prends de l'huile d'olive pour m'enduire le corps. Non, ça on peut pas le prendre, c'est sur l'utilisation principale. Comment? Principale. On a dit que l'orange, on peut y en faire un jus de fruits parce que c'est parti. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, on va voir. Après, un autre, on va... C'est lié, mais c'est un peu différent. Il y a un premier paramètre, c'est lié. C'est un peu différent. Il y a un premier paramètre qui s'appelle Biuro Anaato ve Biuro Shave. On apprend ça du Passouk. Il y a marqué, c'est le Mara dans Souka, Vaïta Shabbat Aretz Lachem le Ochla, c'est toujours le même Passouk. Hein. Vaïta, c'est dans Vaïkra, Kaf et Vav. Ouais. Et il y a marqué, Vaïta Shabbat Aretz Lachem le Ochla, Vedarchou Rabotenu, Lachem, l'école Tzorkechem, Lachem, l'école Tzorkechem. C'est pour vous, pour tous vos besoins. Alors pourquoi marquer le Ochla? Ce qu'on trouve dit, le Ochla, c'est restrictif. La chem, tu ouvres. L'école sort qui chem pour tous vos besoins. Le orla, c'est que pour manger alors. C'est quoi les besoins alors? Dans quel cas ça s'appelle des besoins qui ne sont pas mangés, mais il faut que ça ait des besoins qui ressemblent à manger. Tous les besoins qui ressemblent à manger, c'est permis. Alors c'est quoi des besoins qui ressemblent à manger? C'est la manière que quand je mange, je prends une pomme. Au moment où je l'abîme, je mets vaerota, je suis né, né. Il n'y a pas de décalage. Alors pareil, toute chose que au moment où je suis né, je l'abîme. Je détruis, je suis né, gomme et moutarde, parce qu'il y a marqué la chem pour vos besoins. Donc, comme maintenant j'allume des bougies de Shabbat, au moment où l'huile se consume, elle me donne de la lumière. Ouais, direct live. Donc, c'est moutarde. Hanouka, c'est une marloquette. Très bonne remarque. Le Rav pose ce qui me permet de voir ce qui interdit, le rite base, pourquoi il interdit. Avant d'arriver à Hanouka, il y a un cas plus intéressant, enfin, plus intéressant, plus violent, plus clair. Sur lequel il n'y a pas de marloquette, c'est maintenant j'ai plus de gaz, je vais chauffer ma casserole. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant un récipient, je vais mettre dedans de l'huile d'olive, ouais. Avec cette huile d'olive, je vais mettre plein de petits combustibles pour pouvoir chauffer ma casserole. Je vais chauffer à l'huile d'olive, une casserole, j'en fous. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, hein, donc c'est indirect, parce qu'au moment où se consume l'huile d'olive, ouais, ça crée une chaleur et cette chaleur ne viendra véritablement être profitable pour moi qu'en second temps. Par exemple, je vais me chauffer aussi avec de l'huile d'olive. Je n'ai pas le droit parce qu'il y a un décalage entre le moment où l'huile d'olive est consumée et où la chaleur commence à avoir une influence sur la pièce ou sur la casserole. Il y a un décalage. Donc ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Maintenant, enduire le corps au moment où l'huile disparaît dans mon corps, c'est le moment où mon corps en profite, donc c'est permis. Ah, mais parce qu'il me dit aujourd'hui, je ne peux pas m'enduire de corps de l'huile d'olive de Shemitah, hein, parce qu'il y a un autre paramètre qui sont venus rajouter, ça ne suffit pas. Anato Vébiru Chavé, il y a un autre paramètre qui, dans leur terme, ils le disent comme ça, c'est Derer Neadam Bekar, il rajoute le Rambam. Comme aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de s'enduire d'huile, on prend des crèmes. Souvent chimique, avec un petit peu d'un petit truc végétal pour rendre heureux les écolos. Mais en général, c'est des trucs chimiques, le crème. En tout cas, ce qui vient faire pénétrer dans la peau, c'est. Donc, c'est pas. Donc, on n'utilise plus de l'huile d'olive. Il n'y a pas mieux pour la peau que l'huile. Hein. Elle m'avait dit, ma dermato, allez à Shalom. Ouais. Il n'y a pas mieux pour la peau que l'huile. Bon, on ne le fait pas parce que après tu salis tout. Hein. Pour la peau, il n'y a pas mieux que l'huile. Quand tu as les mains gercées en hiver, etc., tu mets de l'huile. C'est beaucoup plus réparateur que toutes les crèmes. Tout, il n'y a pas mieux que l'huile. C'est vraiment un chef. L'aloe vera, c'est très bon aussi, non? Il n'y a pas mieux que l'huile. Ouais. Mais après, tu salis tout. Ce n'est pas agréable. Ouais. Donc, si maintenant, tu es là à rien faire, tu as les mains gercées, tu touches ni un livre, ni un ordinateur, etc., mais de l'huile sur les mains, ça va être beaucoup plus réparateur que quoi que ce soit. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de faire ça. Là aussi, mais... Là, vous avez qu'à l'huile d'olive, en vérité. Donc, tu prends l'huile de l'eau, n'importe quelle huile. Très bien, très bon pour la peau, lui.
Et donc, comme ce n'est plus l'habitude, donc on voit ça comme étant Hefsed. Ouais. C'est marqué l'école sur Kerem, ce n'est plus un tsorer de s'enduire. C'est plus un tsorer. Donc, on n'a plus le droit de s'enduire la peau avec de l'huile de nos jours, mais c'était permis dans les Rishonim où à cette époque-là, ils n'avaient pas de crème. Bémet, c'était un des chimouches de l'huile. Un des chimouches de l'huile, c'était pour la peau. C'était Bémet, un des chimouches de l'huile. Je t'ai expliqué que non. Moi, je n'y connais rien. Juste une dermato de très haut niveau m'a dit que non. Il n'y a pas plus performant que l'huile. Bien sûr. D'après elle. Citation. Fin de citation. On reprend. Comment ? C'est aussi une question qu'on va développer bientôt. Ouais. C'est qu'ils ont permis les poskim d'allumer les Nerot Shabbat avec de l'huile de... T'as acheté des bouteilles pas chères de Tzar Beddin, t'as l'huile d'olive pas chère. On va expliquer, pas aujourd'hui, mais au Tzar Beddin, pourquoi c'est pas cher, pourquoi des fois c'est plus cher, ouais. Comment ça marche au Tzar Beddin, pourquoi c'est bien d'acheter au Tzar Beddin, c'est pas uniquement permis, c'est bien. C'est quoi la mitzvah d'acheter au Tzar Beddin? C'est un sujet à part, peut-être qu'on fera la semaine prochaine, on verra. Comment? Mais c'est ça, c'est normal. C'est normal, t'as pas pris ton... Oui, bien sûr, on va tout faire. Blinédé. Et donc, ici, j'ai acheté une bouteille d'huile de Tzar Beddin, 10 shekels, magnifique, j'ai payé que les frais, 10 shekels, huile d'olive, un grand kiff, un litre, 10 shekels, la joie. Et qu'est-ce qui se passe? J'avais mes nerfs de Shabbat avec. Je dis, ouais, pourquoi? Parce que Anna Ato, le bureau Shabbat. Je dis, c'est Anna. C'est une grande question. Je dis, et quel Anna j'ai des nerfs de Shabbat? J'ai un Anna des nerfs de Shabbat? J'ai des nanas de Shabbat. Aujourd'hui, le plaisir, il est plus dans le fait d'accomplir une mitzvah que dans. Aujourd'hui, j'ai aucune nana des nerfs de Shabbat. Parce qu'on a l'électricité. On avait étudié le sujet ensemble. On avait étudié le sujet ensemble des nerfs de Shabbat. Bichlal, comment on fait la bracha sur les nerfs de Shabbat? Ce chrono, il est posek. Que tout s'est fait. Ah, on n'est pas mevarer. Donc, quand tu as déjà la lumière d'électricité, et après tu allumes les nerfs, elle me l'a aussi fait une cloum. Donc, c'est bracha levatala, les chahora. Ça, c'est pas un problème. Parce que avant qu'on ait l'électricité, au moment où on allume 20 minutes avant l'Ashkia, les maisons, tu n'as pas forcément des baies vitrées. Hein, mais tu avais une fenêtre. Donc, tu sais quand même, la fenêtre, elle apportait, quand il y avait de la lumière, une certaine lumière. Mais là, c'est sûr que quand maintenant on arrive 20 minutes avant l'Ashkia, c'est beaucoup moins de lumière. En tout cas, ce n'est pas de la lumière directe, puisque le soleil il est déjà un peu masqué par les arbres et par les irrégularités du relief. Et donc, en tout cas, il fait assez sombre dans la maison en fin de journée. Ouais. Si tu as une baie vitrée, tu donnes sur la plage, alors je comprends la question. Ouais. Mais ce n'est pas souvent le cas. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas souvent comme ça que ça marche. Hein. Donc souvent, arriver, alors on allume les rotes, on a besoin d'une bougie pour faire des choses. Ouais, ça, il commence à faire assez sombre. Ouais. Et alors tu dis, comment on allume à Plaga Mincha? C'est une bonne question. Plaga Mincha, c'est une bonne question. Il n'y a pas une anache. Et Bémet, c'est toute une sougla, Plaga Mincha. Hein. C'est un truc, mais fourrage magmara, c'est tout un truc des Rishonim. C'est compliqué, Plaga Mincha aussi. C'est pas très simple. En tout cas, le problème ici d'allumer des Nerot, même si c'est Plaga Mincha, c'est-à-dire que tu allumes, tu avances un peu là de la caille et ça va être utile quelque part hein, quand il va faire nuit. Mais là, elles ne vont jamais être utiles, ces Nerot. Elles n'auront jamais leur fonction, quoi. Parce qu'elles seront toujours noyées par une lumière électrique. Elles apporteront strictement rien en termes tais-toi Samuel, en termes d'éclairage. Elles apporteront strictement rien en termes d'éclairage. Ouais. Et donc par rapport à leur Rosh Shabbat, alors ils expliquent les post-time que si maintenant on avait annulé l'allumage des bougies avec le feu, etc., alors c'est juste électrique qu'on fait toute la semaine, on allume tout le temps sans réfléchir, donc on aurait perdu la notion de la mitzvah. Hein. Ouais. Et donc, on aurait un jour où tu as une coupure d'électricité, où tu es en camping, tu n'aurais pas le minéro de Shabbat, tu n'as plus cette mitzvah-là. Parce que naturellement, tu allumes. Donc, on est obligé maintenant de symboliser cette mitzvah dans un acte bien précis. Ouais. Ah, mais d'accord, c'est bien joli ça, mais en quoi est nana? Alors, ils disent, il y a nana, parce que c'est joli, les bougies, c'est nana qui n'est plus comme la nana de base qui était pour éclairer. C'est une nana secondaire que pour la takana, ça suffit pour conserver. On n'aurait pas été métaken à de la katnerot à notre époque. Mais après que la takana, elle existe. Alors, on perpétue la takana par une anaa
secondaire, que, ouais, c'est joli d'avoir des bougies, des trucs comme ça, etc. Ouais. Donc ça, c'est un sujet déjà assez compliqué dans Shabbat. C'est pour ça que le Rav Lession, il dit, avant d'allumer les bougies de Shabbat, dis à ta femme d'allumer les bougies électriques, les lumières électriques, en ayant l'intention d'accomplir avec lumière électrique et avec les bougies. Après, elle fait la bracha sur les deux. Ouais. Les ratrilas. On l'avait dit, on a déjà parlé de tout ça. Maintenant, dans la Shemitah aussi, tu as un problème. T'es pas né du tout de la lumière. Et quand on dit qu'Evan chez Minag Israël, les Adlik ou les Varech, Alehem Nirchav Kadlaka, les Tzorer, Veanaa, Mishemen, Shelvin, Velo, Efset. Donc c'est pas un Efset, je suis pas ma psyde ici, c'est Nana direct, que grâce à cette lumière-là, j'accomplis une mitzvah. Et il dit, va voir là-bas dans mon livre, Alichot Shabbat, j'explique tout le problème de la Takana de Shabbat avec les Nerot. Mais ici, les poskim, ils ont malgré tout permis, même de nos jours, d'allumer les Nerot Shabbat, ouais, pour accomplir la Takana d'Adakat Nerot. Ça s'appelle une Nana suffisante pour tolérer dans Juit. Et maintenant, en ce qui concerne la Nerot des bougies de Hanouka, le rite base, il interdit. Pourquoi il interdit? Parce qu'il dit, on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka. On n'a pas le droit. Donc, il interdit d'allumer avec de l'huile de Shubit des bougies de Hanouka. Comment ? Là, pour le tir, ce n'est pas la des lumières, c'est la de la Shabbat. Ouais. Ça, c'est le rite de base. Mais lui, il n'y avait pas le problème des bougies de Shabbat à l'époque. C'était une vraie Anna. Il n'est pas encore Stralouen. Mais les poskim, les autres poskim sont relax sur lui. Ouais. C'est qui les autres poskim ? Alors, lui, c'est le Rav Ben Sion, il est permis. Et le Rav Orbar, le Rav Osner. Premièrement, parce que Anna, mitzvah, c'est aussi Nana. Et deuxièmement, et ça j'ai bien aimé le deuxièmement, c'est qu'en vérité, les bougies de Hanouka, si tu as une coupure d'électricité, tu allumes les bougies de Hanouka, ouais, que tu es au 10e étage, donc tu n'allumes pas la fenêtre, tu allumes dans ton salon. Ouais. Et grâce à ça, tu ne vas pas être dans le noir. Tu ne vas pas pouvoir lire, tu ne vas pas pouvoir cuisiner, mais en tout ça, tu ne seras pas dans le noir. Tu ne seras pas dans le noir. Hein. Tu n'as pas l'angoisse du noir. Tu n'as pas l'interdiction d'allumer les bougies de Hanouka dans ton salon quand il y a une coupure d'électricité. Donc tu profites de la lumière. Donc il y a quand même un certain profit de la lumière. Non ? Oui. C'est ça, parce que là, c'est un bisouille. Mais ce n'est pas une surana. La gmara de Vechik Doucha Yashbo. Non, c'est bisouille mitzvah. Ce n'est pas comme les nérodes du Beth Amikdash. Non, ça sourd de faire un acte, ouais, de profanation des bougies. Je viens maintenant compter à côté, je viens lire à côté. Mais maintenant, d'être dans mon salon et qu'il faisait noir et grâce aux bougies de Hanouka, il ne fait pas noir. Si je ne lis pas, je ne compte pas de mes bougies, je vais profiter de la lumière. Mais foal, je profite de la lumière. Je ne fais pas un acte, je suis assis dans ma pièce. Mais je profite que je ne suis pas dans le noir. Ce profit est permis, parce que ce n'est pas un acte. Okay. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de profit des bougies. Tu n'as pas le droit de faire un acte qui témoigne que je veux profiter. Mais ce n'est pas assourbé un acte comme l'Avodah Zarah. Et... Hein ? Vous comprenez la nuance ? Donc ça peut, oui, apporter une certaine lumière. J'en profite, je ne suis pas dans le noir. Ouais, bon, de toute façon, au moment où il a vu, il y a de la lumière. Donc il n'y a pas une lumière directe. Oui, mais ça, tu as le même problème dans les Rosh Shabbat. Les Rosh Shabbat, on dit pour la mitzvah. Là, si, pour la mitzvah. D'accord, c'est pour les paramètres. Les deux paramètres, ils rentrent par les deux comptes. Les deux paramètres. Premièrement, tu dis, c'est pas dans tous les cas qui marche ce deuxième paramètre. Ben ouais. Au moment où il allume, il a la lumière. C'est vrai. Ouais. Donc, les deux paramètres, ils rentrent par ligne de compte. Donc, tu es en train de dire un ridouche. Il n'a pas été écrit ce ridouche. Tu es en train de dire un ridouche comme ça. Tu es en train de dire, si maintenant, on ne parle pas de nerf de Shabbat, ouais, quelqu'un, il veut allumer une bougie avec de nerf de la journée. Ouais, les lunishmat. Il n'a pas le droit d'après toi. Et quand il va allumer les nushmat avec de l'huile de juif. C'est la journée. C'est pas Efsed en tout cas. Ça s'appelle pas Efsed, oui. Il n'en a pas parlé de ce cas. C'est intéressant de voir. Mahadin. Bon, si on avait naïf de ce qu'il dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est de raison. Oui, c'est de raison. C'est une mitzvah, les nushmat. Ouais. Ça veut dire que Mizahri ouvit, c'est-à-dire une toilette. Ouais. Elle est immédiate.
Ouais, chaque instant que ça allume, c'est... il est heureux là-haut. La question, c'est que si j'allume le soir, par exemple, les bougies. Hein ? Je sais pas. Il y a une autre question. Ben, je sais pas c'est quoi ce truc-là, moi. Il y a une autre question. Il y a tout un minhag Israël, ouais, contre lequel je peux pas m'opposer. C'est tout le monde qui fait ça. À part moi. Et ma femme, des fois, elle allume des bougies. C'est quoi cette histoire ? Et moi, bon, j'ai arrêté de faire le relou avec ma femme. Ils mettent des bijoux. Et donc, hein ? Des bijoux dedans. Non, ça non. Ça, elle n'a pas assez. Elle n'a pas assez. Donc, ils allument à Rabbi Meir Balanès, ils allument pour Baba Salé, ils allument pour Shpaki, pour Rabbi Lagbame, ils allument. Qu'est-ce que ça fait ? Il faut leur demander aux femmes, aux kabbalistes. Annie Loyodéa. Elle prie et tout avec c'est leur moment. Ouais. C'est un vrai moment. Elles prient de manière enflammée. Ouais. Et donc, moi, je suis une crise de nerfs quand je vois ça. Non, parce que moi j'avais un rav lituanien quand j'ai fait le choix et j'étais parti chez un rav kabbaliste, ouais, qui avait lu dans Maneshama que j'ai besoin de lire, d'allumer des bougies et tout. Et donc dans la chambre, et donc bon, parce qu'il en vendait aussi, et dans la chambre, c'était cher, et dans la chambre, dans ma chambre, donc j'ai tout plein de bougies de couleurs et tout, ça faisait un peu les années 60, ouais. Et il est arrivé le rave, il dit qu'est-ce qui se passe, il y a un mort, ouais. Il dit non, rave et tout ça parce que c'est un tikkun et tout, tu mets tout ça à la poubelle. Bon, les bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne m'a pas interdit, mais c'est d'allumer des bougies Rouhani, ça il n'a pas aimé l'histoire. Donc du coup moi après c'était bien. C'est jeté tout ça, c'était quand même pas d'argent. Alors, question, parce que même lui, il a été spécial. Ouais. La question, c'est si j'allume maintenant, je sais pas, j'allume dans la journée, j'allume dans la journée de l'huile, mais j'ai pas un profit immédiat, je n'en profite que le soir. Non, c'est pas la même chose. T'as pas de mitzvah maintenant, donc t'as rien. Voilà, il y a un problème. Ouais. C'est les F7, quoi. C'est Baal Tachrit. C'est vraiment, sans parler de la Shmita, c'est vraiment Baal Tachrit. Ouais, oui. Maintenant, si tu l'allumes parce que tu ne vas pas être à la maison et oui, tu as peur que le perroquet il déprime dans le noir. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai trois maintenant. Là, on lui dit perro, c'est tout. On les angoisse. Julien, réponds-toi. Oh non, celle-là est très bonne. Je l'adore celle-là. Ouais, donc là, dans ce cas-là, le Rav Malka, il ne nous a pas fait une description de tout suffisamment exhaustive à mes yeux. Excusez-moi, mais je vois la différence avec le Kippour. Avec le Kippour ? Avec le Kippour, je prends des bougies, mais j'en ai un peu plus tard. Je vais demander pour avoir une idée. Non, la différence est comme ça, c'est que l'acte d'allumer, il est immédiat. L'acte de cuire, en soi, c'est un problème, cet acte-là. C'est-à-dire, à partir du moment que les Chachamim, ils ont dit « allumer, c'est permis », parce que la na'a d'allumer, elle est comment dire, simultanée par rapport à la consommation de l'huile. Hein, que maintenant, moi, je pour une mitzvah, mais cet acte d'allumer, hein, en soi, il est permis. Parce que c'est quelque chose de simultané. C'est un tsorer. Allumer, c'est un tsorer qui est permis. J'ai un safek. Est-ce que maintenant, on va d'après le type d'utilisation ? Que allumer, comme c'est l'utilisation d'allumer, c'est la na'a et le biour, il est au même moment. Ouais. Alors, après, on peut étendre les cas. Alors que chauffer, c'est un type qui c'est jamais simultané, donc c'est complètement banni. Donc c'est ça, mon savec. À partir du moment qu'on a rentré la mitzvah dans l'histoire, c'est-à-dire que quoi ? C'est que comme cet acte-là, en général, c'est simultané, alors la mitzvah, c'est aussi un tsorer, ouais. Alors que le simultané, bon, on l'a un peu oublié dans la mitzvah, c'est quelque chose de très spécial, ouais. Bon. Parce que tu vas dire, alors quoi ? Alors, après la demi-heure, tu dois l'éteindre. C'est un problème aussi pour le... La Ner Hanouka, si la mitzvah c'est une demi-heure, alors tu dois éteindre parce qu'après c'est plus les tsorer mitzvah. Il y a plein de questions qui se posent. Ou bien non, comme il y avait un tsorer d'allumer pour la mitzvah, après, allumer c'est moins grave. On avait une porte qui nous a permis de rentrer dans ça, d'allumer c'est moins grave. Alors pareil, je vais allumer pour plus tard, mais là j'allume. Et si c'est pour plus tard et que j'ai un problème parce que je ne pourrais pas être là, j'ai un safek, je ne viens pas trancher. C'est pas comme cuire. Cuire c'est birklal bani comme
Parce que c'est le type d'utilisation du cuir, ce n'est pas un tsorer qui est permis. Allumer, c'est un tsorer qui est permis. Combien maintenant on doit imposer de conditions supplémentaires pour allumer, c'est haché là. Mais allumer, c'est permis. Comment ? Tu as zappé le début du cours, on a dit la rem, l'orla. La rem, l'école sur kerem, mais qui ressemble à l'orla. Qui ressemble à l'orla. Et allumer, ça ressemble à l'orla. Ah, mais là, ponctuellement, maintenant, j'en profite pas maintenant. Mais allumer, ça ressemble à l'orla. Est-ce que maintenant, on apprend du type d'action que je fais ou non ? À chaque fois, on doit imposer la condition que j'en profite. Pour le rite bas, c'est clair qu'il y a un problème. Parce que lui-même, Ner Hanouka, il interdit. Pour le rite bas, toutes les questions ne commencent même pas. Il faut vraiment avoir un profit concret. La question, c'est pour les autres qu'on permet les tsoir mitzvah. Jusqu'où on étend la permission ? Du coup, ce chamal de rite bas. À l'époque, il n'y a pas de problème, c'est nana. À l'époque, ils n'avaient pas d'électricité. Le rite bas, c'est un ancien. C'est qui ? Tu te dis sa date ? Ah non, il y avait quand même. Attends, on va voir, c'est quoi sa date au rite bas ? C'est bizarre si on peut écrire, parce que. J'ai perdu la page. J'ai perdu la page. Où le rite bas ? Ouais, ah. Ah, pas si vieux que ça, hein, le rite bas. Hein. Il est né en 1845. Il était en Lituanie quand même. Et après, il est parti à Tzfat. Il est mort en 1914. Ouais. Ouais, je sais pas c'est quoi leur lumière. Hein. Petite ampoule. Ouais. Non, vous pouvez peut-être rajouter de la lumière, les bougies, et puis il est Ashkenaz, il n'y a pas de problème de tout se faire or. Lui. Bémet, c'est motif. Quand tu as une petite ampoule et que tu. Ouais, Bémet, les bougies, c'est motif or, la pinache là-bas. Donc il n'y a pas tellement de problème. Hein. Il y en a 4 nérotes. Alors c'est bizarre que le cuir, on n'a pas de moi, parce que le cuir là-bas. Quel rapport, tu ne manges pas. Tu ne manges pas l'huile. Tu ne manges pas l'huile. Le profit, si tu manges l'huile, il n'y a pas de question. L'or là, c'est que maintenant tu utilises l'huile comme combustible. Le combustible, ce n'est pas manger. Attends, j'ai le droit de prendre un fruit, ouais, un fruit de Shemitah pour en faire une assiette. Je prends maintenant un melon que je ne vais pas manger. Je vais en faire une assiette. Non, ce n'est pas l'or là. Ah, mais ça me permet de manger ce qu'il y a dans l'assiette. C'est exactement la même chose. Oui, c'est manger, c'est-à-dire c'est une consommation, une consommation qui ressemble à une consommation. Non, non, la question, non, 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 non. Il n'a pas oublié que le cahier, non. Je ne suis pas d'accord avec cette question. C'est vrai que quand on brûle le feu, on dit aussi la khila, c'est très responsable. Non, il y a des gens qui sont ponctuels dans un des morceaux de l'intervalle.